Thank you.
Oh,
mérité d'Israël. Il mérite que nous puissions le louer. Parce qu'il est dans un monologue qui a solo. Parce que c'est lui qui est le véritable vainqueur. Nous n'avons point un autre. Seul Jésus-Christ. Lui qui est notre victoire et notre lumière. Et à chaque pas. Et la table est notre désir. Comme un guerrier. Lorsque tu marches, marche comme un guerrier. Sache que le Seigneur t'a déjà fait vainqueur. Devant tout problème aux hommes. Devant tout problème, ne recule pas, bien. S'il y a déjà la victoire. Vous allez la grande. Nicolas et mon col. Que ce soit n'importe quel combat. Lève la tête. Tombe la moutou. Et va que victoire les enfants. Et sache que la victoire est de ton côté. L'ennemi a bundara na maloba. L'ennemi ne combat avec les paroles. Et nous aussi avec les paroles. Quand il confesse dans ta bouche. Quand vous allez contact là la monoko na yo. Tu crois dans ton cœur. Vous êtes ma moutou. Alors, au coma, à l'oubigo, la situation peut être difficile dans ta famille, mais ce n'est pas que le Seigneur t'a haï. David disait, le problème lui arrive en fait que le Seigneur exerce ses mains au combat. Le coma, comme pour que quelqu'un devienne léger comme une biche, le Seigneur installe des combats dans sa vie. Aussi posant la question. Ne te pose jamais la question. Mais pourquoi cette situation difficile, Marie? Il faut combattre avec cette situation. Au moins la victoire. Afin que tu vois aussi la victoire. N'aie pas l'habitude, bien-aimé. Et parler plus avec les gens dans la journée qu'avec le Seigneur. Depuis que tu t'étais réveillé. À 5h30. Tu as commencé à 5h30. Bibici. Donc Bibici. Après RFI. Après RFI. TV5. Après TV5. Je dis Antenne. Après Antenne. Afrique numéro 1. Afrique 24. Aux yeux, on va désir. 2 heures du temps, suivre les enfants. Alors, c'est sentir que tu es un homme bien instruit. Alors, tu te sens que tu es un homme bien instruit. Bien informé dans la situation de ce matin. Et tu es bien informé de toutes les situations qui restent. Ça, c'est les hommes qui t'ont dit ça. Ou alors, ça dit pas tout le monde. Il y a un programme parmi les yeux sur les hommes. C'est ça dit la maman, monsieur, et qu'on capte en certains Nicolas Batou. Quand il consiste l'éternel au Koueba. Quand il ne peut pas, il y a un Koueba, maman, monsieur. Tu as commencé ta journée, mais seulement avec des causeries avec les gens. Dis aussi sa journée. Jusqu'à ce que tu finisses ta journée. Et toujours dans les causeries. Tu vas voir le péché comme de l'eau. Tu vas constater que tes pensées ne seront jamais plus. Conscience en route. La conscience de l'homme. Ne peux pas lui mentir. Si tu es un aventurier, une femme sérieuse. Même si nous te trouvons une femme sérieuse, un homme sérieux, un homme sérieux. Et toi-même dans ta conscience, tu te dis à moi, je ne suis rien vraiment. Moi vraiment, aventurier. Et toi-même tu vas te dire, la pétard ou la pamba. La conscience ne manque jamais. Si tu es un aventurier, ta conscience te réunira. Tu vas vraiment les ressentir. La vraiment comédie. La pénta aventurier. Ce que ta conscience te dit. Aux années bon. Et tu es tel que ta conscience te dit. Oui, ça va. Ce que ta conscience te dit. Tu es ce que tu es. Il faut au nom calomnie que la cantinaire. Tu vas chercher de manière en toi. Quand nous avons au tard. Lorsque le Seigneur regarde. David a dit au Seigneur. David est dit colo. Il y a la consomme de quand même ce qui n'a l'air. Il y a pour ta la gaïna serre la beauté manada et ta la l'air. Tu vas constater que les paroles que je dis sont les mêmes qui sont dans mon cœur. Mais ma bouche sort la vérité. Puis dans mon nom, au solo de l'imam. Donc,
fasse un effort. Donc l'homme doit fournir un effort. Oui, absolument. Mais faire en sorte que ce qu'il dit dans mon épisode soit aussi ce qui est dans sa pensée. C'est ce que la Bible appelle la vérité. Il y a un moyen de lire et de sort l'homme. Dans un exemple, mon gars, c'est la délivrance, c'est au sens que nous prenons calme. Je prends un exemple de délivrance. Pour tes enfants malades. La personne est malade. Les chrétiens déclarent, vous imposerez les mains, les malades de demain. Et les malades seront guéris. Mais malade, je suis attentivement. Il dit, au nom de Jésus, ma compagnie, sois guéri. Sois guéri. Je dis de vous, je sois guéri. Maintenant, en moi, je me dis, et cette maladie est incurable. Ou le voit qu'il n'a pas un médecin. Mais toi, c'est pas seulement au nom de Jésus. Ma compagnie, c'est donc, c'est que tu prononces là, n'est pas la vérité. On se le voit dans le coin, les amis sont l'auté. Et ça la tête. Et cela ne va pas. Sa vérité. Au sol, il faut que les zombies. Il faut que ceux qui sont. Et c'est marié en maison à la carte. Soit semblable à ce qui est dans ton intérêt. Et comme a pas une puissance. La bonne est comme à ta bouillie, mon divin. C'est comme ça que les gens échouent. La bonne est ma tombe à la tête. Azo sale un service. Il fait un service. La carte dans un plein de doutes. Mais en lui, il a plein de doutes. Le Seigneur ne voit pas la vérité en lui. C'est pourquoi David a dit, tout ce que je dois, si tu viens me sentir la chose, tu sens de mon cœur, tu verras que mes paroles ne sont que mes pensées. Mais là, toujours, lorsque quelqu'un parle, il se ressent tout cas. Nous ne sommes pas la sainte. Mais la carte est dans un mais en moi, ce sont des impudicités. J'ai des femmes que je couche et que je paie des loyers à l'extérieur. C'est que je suis à l'intérieur. Et c'est ce qui sera payé. C'est le salaire que le Seigneur va me donner. Tu pries. Vous avez une sœur. Tu es une sœur. Mais vous avez un calme. Mais tu as des concubins à l'extérieur. Dans mon sang. Je suis seul. Je suis seul. Mais la carte est horrible, ma carte. Mais en toi, tu es dans d'autres choses. Oui, nous avons la carte. C'est que tu es de l'intérieur. Et après, nous allons compenser par ça. Et c'est la récompense de ce que tu as à l'intérieur que tu recevras. Dieu sent de lequel. Ça vient d'être à ta visite à l'intérieur. Qu'on sera parmi un patron et pas insensible à la parole. Ne sont pas parmi ceux-là qui ne se laissent pas toucher par la parole. Ceux qui parlent guérir, ils ont dit, on ne peut souligner. Si la parole ne te guérit pas, comment guérirais-tu? Naman était le général, le chef d'une grande armée. Il faisait des conquêtes dans sa vie. Victoire à l'armée syrienne. Il donnait des victoires à l'armée syrienne. Mais Tamazala qui causonga. Mais lorsqu'il retournait chez lui, son caméra a s'échangé. S'il essaye de s'échanger, il se voyait lépreux du jour. C'est qu'à ça n'est pas conquête, ni en ce moment dans la guérite. C'est-à-dire dans toutes ses conquêtes, il n'était pas toujours guéri. Naman Azala qui s'inquiétait pour une solution. Et Naman s'inquiétait pour la solution. C'est pourquoi la servante qui était chez lui connaissait le problème. Elle a dit à sa maîtresse, dis au chef, s'il se rend en Israël, il y a un prophète. Il sera guéri de sa lèpre. Donc la guérison est dans une seule terre sur la terre. La guérison n'est qu'une dans une seule terre dans le monde entier. Il faut monter dans cette terre. Essayez-nous m'attendre pour la mort comme vous en guérison. En fait, que tu reçoives la guérison. Ce qu'on a raté en guérison, je suis raté. Si tu les rates, il n'y a pas encore d'autre chemin. Je prends ça comme une instruction. Dans ce soir, pour le moralité, vous avez dit la moquille. Tu étais dans le monde. Vous avez comme ça l'écho au Netflix. Et tu faisais de la publicité un luxe. Au film, la mienne dit valeur, va payer, va payer, va payer, va payer, va payer. Maman, mais quand n'essaye pas de provoquer cette femme, elle va te frapper par des paroles. Fais très attention, il est très brutal.
Mais tu es venu dans la terre appeler la parole. Viwa mesotikate. Et cette vie-là ne t'abandonne pas toujours. Où irais-tu encore pour recevoir la solution? Ce n'est pas Jésus de changer. Si tu ne changes pas chez Jésus, vous allez être hypocrite dans mon vie. Vous allez être monter le cassal au cassal par là. Vous allez être en train de vous. Et tu veux des choses que les gens ignorent en cachette. Maintenant, tu viens dans le pays qui est la parole. Et tu continues toujours avec cette vie d'hypocrisie. Qu'est-ce que nous allons te montrer encore pour que tu sois guéri? Parce que c'est Jésus né à nous changer les guerres de pierre, nous faisons la guerre de chair. Mais qu'est-ce que dans ce monde pour la montée, ma vie va passer à son. Il faut se sentir que. Il faut te sentir vie à péché aux en haut. Et la vie du péché qui est surchargée au macas. Qui est surchargée, ça dit mon combat à macas, il colonel. Aux oeufs à fatigue dans la vie où on a péché. Et tu sens vraiment la fatigue dans cette vie. Et on peut se décharger. Alors tu vas te décharger. On dit qu'il y a au Christ Jésus. Tu vas abandonner cette vie à Christ Jésus. Jésus-Christ a dit la solution à tout problème. Jésus-Christ a dit il y a un homme et ça va nous coûter pour se mesurer à l'autorité à Jésus. Il n'y a rien qui pourrait se mesurer à son autorité. Jésus est très puissant. Jésus a dit la bouillie à ma casse. Et ça va qu'il y a un jeune. Il y avait un jeune. Dans Kimbongo. À Kimbongo. À Guinée, il sacrifié. À Guinée, il Mbongo, Mbongo et à Kissi. Il était allé chercher l'argent par. À Zalé, du frère. Il n'était pas un frère. Il est allé chercher l'argent. Lorsqu'il est allé chercher cet argent, il faisait un numéro avec son maître. Directement, il a vu, il était dans le cimetière. Il a vu les bassins ou les seaux pleins de sang. Et son maître lui a dit, tu as tué un adulte. Il faut remplacer. Tu dois remplacer ce qu'on remplace avant 10 heures. Tu dois remplacer avant 10 heures. Le jeune l'a posé le sujet. Remplacer là. Le jeune lui a posé la question, qui est-ce que je vais remplacer? Il faut que ça valeur, ma famille. Tu dois donner quelqu'un de valeur dans ta famille. Et donc, ça va bien réfléchir. Si tu le dis seulement à quelqu'un, dans ma en le disant, bah, bon. Et tu vas commencer la folie. Et cache-le jusqu'à ce que tu nous apportes le nom des membres de ta famille. À qui? Il est parti. Le cimetière. Il a quitté le cimetière. Il a commencé à réfléchir, à observer les membres de la famille. Il est en train d'observer chaque. Qui est-ce que je vais sacrifier pour remplacer? Les gens qui ne savaient pas voir seulement les. Mais lui, il cherchait au rang d'adonner. Il doit aller donner la suite. Hein. Il a regardé sa mère. Mais je donne ma mère en offrande. Ben, mon beau, il est sorti. Là. Dans la bimie à son tambour. En sortant train de marcher. Avec son problème. Subitement, dans poisson, a se retrouvé à côté de Kimbongo 11. Il s'est retrouvé entré dans une parcelle à Kimbongo numéro 11. Là où se trouvait l'œuvre de Dieu de l'église de Saint. Dans la côté. Lorsqu'il y est entré, à l'oublié, Nazan et Kambongo, ceux qui n'ont oublié Kaka. Il a dit j'ai un problème, mais si je ne peux voir ici, bah, et directement je commence à venir. Les Akina, bien-aimé frère Kaoul, Ojugeza, le ministère évangélique, la loi. Il y avait le bien-aimé évangéliste Richard Kaoul aujourd'hui à Luanda. Il m'a dit frère, Neko Kia, il y a un homme qui vient ici. Il est là, ah. Il a dit s'il dit seulement son problème. Ah, et directement il commence à fouiller. Ah, je dis, ben, là, il y a de la peine, c'est vrai. Ah, il est venu. Enfin, il a fait les gens vite.
J'ai commencé à lui dire. Le diable est le père de ma soeur. Satan a dit, tata, beaucoup de salut. Lorsqu'il va à proférer la mensonge dans le profond, à l'obaka, il y a un mot témoigné au biba. Dans une demande d'adresse au sang, mais il s'entend à cause. Et je lui ai montré l'identité de Satan, comment il est menteur. Et même ses acolytes sont des grands menteurs. Mais ici, est-ce que mon moi je suis à l'aise parce que je sais que c'est le diable qui l'a dit. Dès le matin, il y a eu quelqu'un qui l'a dit. Ça va. Je dois pas. J'avais le fétiche pour avoir de l'argent. J'avais commis une erreur avec le numéro, on m'a demandé la dupe de valeur dans ma famille. Et j'hésite à leur donner ma main. Et il faudra que ça suive des pères à Marabouana avant 10h. Et je dois donner une suite favorable à ces marabouts avant 10h. Alors, bien, le bien, le métier, c'est ça. Maintenant, il est ici. Il a fini. Est-ce qu'on connaît les gommes? Est-ce que tu es devenu fou, frère? Putain. Non. Avant qu'ils aient écouté. Tu crois que c'était des mensonges? La bannière dans nos cours. Au chauffer dans nos marabouts. J'ai commencé à chauffer le marabout. J'ai dit, ce sont des gros menteurs. Solution aux hommes dans la Jésus. La solution tu auras par Jésus-Christ. Alobie, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai parlé du nom du Seigneur Jésus. La gloire de Dieu. Quel mot est-ce j'ai parlé avec ses frères. Tout s'en va. Nous nous sommes réunis. Oui, mais l'ensemble. On a commencé à chanter à l'honneur de Dieu. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai vu beaucoup de délivrances dans mes cantiques. Avant que je commence l'action de la délivrance, et ça s'opérait comme ça. On a commencé à chanter à l'honneur de Dieu. On chantait vivement, bien. Et puis les manifestations ont commencé. Les esprits ont commencé à sortir. Le résultat. Là où il y a fait cette chambre. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est posé la question, comment je vais retourner? Il ne savait même pas qu'il était entré là-bas. Il a dit, je n'ai laissé. Je ne sais pas comment est-ce que je suis entré. Comment est-ce que je suis entré? Mais tu es délivré. Mais alors nous avons raconté l'histoire. En tout cas, il s'était réjoui de Dieu parce qu'il avait les mains. Maintenant, après deux jours. Et donc, dans la marabout. Va raconter ce marabout. Dis-lui que moi, je suis là. Jésus avec qui Jésus-Christ soit persécuté. Je ne suis pas fou. Et va lui dire que j'ai dévoilé le secret. A dévoilé ce qui. Notre Dieu est puissant. Ça fait la puissance à l'Église. Donc, nous avons l'autorité à l'éternel. Il ne faut pas lutter de son autorité. Quel que soit le problème. Il demeure toujours en ces dieux. Il doit faire ça. Aussi bien la commissaire. Autant la problème de sa moumène. Il ne faut pas considérer la grandeur. Il faut considérer la grandeur de ton Dieu. Quel que soit le problème. Toi considère ton Dieu. Et Dieu est plus grand que ce problème. Sa place à l'imoné ne connaît pas ta moumène. Même un péché doit tourmenter. Et même si un péché te dérange. Parce que nous avons appelé l'autonomie qu'à vie à sainteté. Oui, mais nous n'avons pas l'autonomie qu'à vos sens. Sanctification. Au bout du sang. Nous avons appelé l'autonomie qu'à vie à l'hypocrisie. Je n'ai pas appelé à vivre dans l'hypocrisie. Et comme vous êtes au petit dans le terre. La publicité ne parvient pas à t'abandonner. Sentiment toujours, il y a péché. Ma peau s'attaque à ma soupe, il y a mi combo. Ouvre-toi. Il fout moi, ma molive. Dieu a donné la solution. Ça fait après ça qu'il y a. Alors, tout est accompli. Ignore ce qu'on dit.
Tout ce qui est mal ne peut pas se retrouver dans la ville qui est la parole. Il faut se sentir dégagé. Le Seigneur nous montre un temps pour la vie. Pour servir le Seigneur librement. Vous allez la tamper dans vos sommes. Vous allez vraiment esclave de la justice. Vous allez vraiment où vous allez devenir. Et non, quand la vie n'a ni son ou mon corps. Et non, t'attacher à un péché. Tu ne parviens pas à les confesser. Yambo la soeur, yambo la frère. Confesse bien ensemble. Et qu'on puisse intercéder en ta faveur. La parole qui nous présente. Il est bon de s'en écouter. La parole y a répandance. Les amis qui nous payent pour bon pour la montée. Zamba sokola ka robe ya mutu anomoli salité. Le Seigneur lave la robe de quelqu'un en autant l'esprit. Apaisi. Pureté et sanctification. Vous donnez la pureté et la sanctification. Ta vie veut que ça n'a pas ton okiri. Ta vie doit être différente à celle des gens du monde. Nous sommes dans la marche. Nous sommes dans la marche. Pour nous atteindre la perfection. Pour nous beaucoup mal à beaucoup qui. Et non pour tous en bas. Et non pour reculer. Il faut trop beau ça n'a pas qu'un ciment. Nous devons lier les choses passées et aller de l'avant. Donner ça la parole valeur. Donner de la valeur à la parole. Ta façon de vivre, le nature, le si tu es un parent, ta maison, ce que ça dit, mon gloire au Seigneur, donne gloire au Seigneur. Tu vas à ma fille, tu as une fille, babimagana, tenue pour être conforme à la doctrine à Bissou. Qu'il puisse paraître avec des tenues conformes à notre doctrine. Vous avez une maman, vous avez une maman, surveillez bien banane. Je sais que la malade ou Nicolas Banane. Ma fille qui sa parole de Dieu est. Qui ne puisse pas faire opprobre à la parole de Dieu. Je vais m'épouser dans ta vie en bas dans un bébé. Il n'a pas de courte jupe dans la vie des enfants de Dieu. Il faut que vous compreniez que vous êtes malade. Tu dois savoir tâcher ton corps convenablement. Vous avez une fille. Vous allez l'aider moi-ci. Tournez-lui là-bas. Et qu'on coupe avec toi. La maman. Que ta poitrine soit bien cachée ou conservée. La très important. Amen. Moi, dans Zambé, il faut aller à la pureté. Un enfant de Dieu doit vivre ou désirer vivre la pureté. La sanctification. Ou l'issama. Il faut la katina yoko pour sa gloire dans Zambé. Il faut donner la gloire à Dieu dans ta vie. Tu as des richesses, Seigneur. Vous avez la babosu en colo, on a beau mouiller. Ma grâce en Zambé. Mais ça t'a étouffé à cause de la vie à péché. Mais ces grâces sont étouffées à cause de la vie du péché. T'as osé répandre. Lorsque tu te réponds, aux inconnus qui disent, et que tu t'humilies, aux hommes, et que tu pleures tes péchés, Zambé à cause de la vie. Le Seigneur va te laver. Peu aux la vase utile dans la maison. Pour cause à la météo, tout y a la tête en d'accord. Il faut combattre sérieusement ma pensée. Le Seigneur nous dit ça pèse à ma carrière. Combattre sérieusement ma pensée. Au bout de ça pèse à ma bande. Et que penser à Christ ne règne à Katia. Et que seules les pensées de Christ règnent en toi. Et ça c'est très important. Les pensées, ma pensée à Christ. Ma bande surtout ma carrière est à la quitte à Christ. Il y a humilité. Il y a bonne qui dit ça. Il y a pour sanctifier le nom du Seigneur. Il y a pour couler ça, pour qu'on y ait ça. Il y a pour la persévérant. Il y a pour y campico. Jusqu'à atteindre la coupe à la fin. Qui non, il y a pour comme la moteur et pour son moteur et la soeur. Il y a pour la obéissant. Il y a pour la moteur et tous. Et donc, on va mettre tout dans la cantina. Et cette chose doit remplir ton cœur. Oui, bah, il doit toujours que je ne viens pas jouer ici. Je viens pour vivre les promesses que le Seigneur a dites à mon sujet. C'est pourquoi nous allons nous lever pour dire à Dieu quelques paroles. Vraiment, il faut lire tout ce qui est la pureté. Vraiment, tu dois désirer vivre la pureté. À part la vie à Jésus. À part la vie de Jésus-Christ. Vie à qui t'en présente. Il n'y a plus une autre belle vie. Aucune science sur la terre. Et ça vient assez de mon côté là. Et ça, la promesse de la vie éternelle. À la promesse de la vie éternelle, amen. Au moment de lire ma physique et bien. Tu pourrais lire beaucoup de livres de physique. Et ça, dans la théorie, mon côté, où il est allé. Ça ne contient aucune théorie. Dans un livre de physique. Dans un livre de physique. Oui, vous savez que vous êtes un livre éternel.
Il fera que la personne vive éternellement. Même si tu lis la biologie. Même si tu étudies la mécanique de l'espace. Aucune théorie, aucune science n'a la théorie de la vie éternelle. Et tu entres dans toutes les religions. En dehors de la religion Christ. En dehors de la religion de Jésus-Christ. Aucune religieuse n'a promesse vie éternelle. À ta niveau, par mon côté, ça n'y est la table, mais aucune religion est un passage à vaincre la mort. Mais nous avons notre Seigneur. Si nous avons il a laissé les tombeaux vides. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Sa parole est capable de colonner les péchés. Sa parole est capable d'enlever les péchés. Sa voix est capable de colonner. Mon Il avait pris sol. Qui était meurtrier. Il l'a fait esclave de la justice de Dieu. Il a pris nombre de gens et les a conduits. Les paroles puissantes. Il a créé encore. Cette parole est capable de colonner dans la masturbation. Les noms de Jésus-Christ. Comment est-ce que c'est capable de colonner l'esprit à Botalaka pour nous dans mon nom sur ce nom là de Jésus. Comme Jésus-Christ. Il est très puissant. Et tous les démons le savent. Et qu'ils sont sous le pied de Jésus-Christ. Jésus-Christ les a écrasés. Et Jésus-Christ a avec le nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu pars avec ces noms-là, ne crains pas, parce que tu as la victoire. Vous allez les tuer miséricordieux, mon Seigneur. Vous allez les tuer de notre grâce, de péter miséricorde, mon Seigneur. Tu es le Dieu qui fait grâce. Miséricorde que je prends. La miséricorde que nous allons implorer, Seigneur. Grâce à Dieu, nous allons implorer Jésus. Pour péché, pour nature et péché. Et ça va aussi quand on va. Aussi quand on est connu sur ça. Nous voulons que Dieu nous rapproche. Et pour établir sa main à mon Seigneur. Miséricorde. Sanctifie cette œuvre. J'implore ta grâce. Oh grand Dieu Roche, la vie à pureté, vie à sanctification, crainte de Dieu. La bonne vie à mon Dieu, à mon corps, à mon Seigneur de grâce. Oh oui, la vie à mon Dieu, à mon état, à mon âme, à mon roche. Mon souvenir à mon corps, mon âme, à mon âme, à mon âme, à mon âme. Mon avis à mon corps, à mon corps, Seigneur de grâce. Jésus, pèse ma casse à sa lèvre. Lancez ma casse à mon papa pour mon bonheur, ça. Bien dans mon roche. Vous en savez, à son nom, pour moi. Mais Dieu, miséricordieux, roche, Jésus. Mais Dieu, de grâce, de pitié, miséricordieux. Au moins,
pour s'appeler encore. Tu vas prier de le Seigneur, quand vous avez dit ça, bah, disciples, voici comment vous devez prier. Lorsque le Seigneur montre aux disciples comment prier, à le mythe, sans bel accord aussi. Il avait dit que nous devons aussi prier. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Que le commune ait voulu ça. Que ton règne vienne. Béni, qu'on continue à le dire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Tu vas élever le nom de Dieu. Pour sanctifier le nom du Seigneur. Pour qu'on boule ça pour moi encore. Et ça va être un peu de temps. Ça va être un peu de temps. Ça va être un peu de temps. Mais différencier de tout ce que les gens appellent Dieu, mais qui ne le sont pas. Sanctifier, c'est mettre à part. Donc, pour boule ça pour dire à mon peuple. Pour tomber la monnaie. Tu élèves le nom pour la grandeur. La grandeur du Seigneur. Pas toi. Quand tu confesses, après cela tu lui dis, ton règne est à la montée. Et que ton règne vienne dans mon cœur. Dans tout ce que je fais. Règne de Jésus. Et n'attends pas ta volonté. Et que je marche. Vous savez, les appels avant ça. Prions le Dieu. Nul ne peut se miser à toi. Vous en savez bien le mot aussi. Nous en sommes prêts, Seigneur. Nous avons ici comme on vient les appels à prier. Nous allons tourner dans son puissant nom de Jésus. Nous allons ici voir la son que nous chèvons en appui. Nous en sommes prêts, Señor.
À celui qui vaincra, je donnerai des mains cachées. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit, un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui a raison. Que Jésus-Christ ajoute ses bénédictions en lecture. Nous parlons des récompenses dans l'église de Pergame. La carte à Pergame, vous trouvez qu'il y a deux récompenses. Et dans Pergame, nous trouvons deux récompenses. Si tu reviens déjà la récompense, il y a mal caché. On avait déjà parlé de la récompense et la mal cachée. Et l'eau, quoi, la chose à retenir dans la mal cachée, tu
Dans la guerre Exode 16, on avait lu Exode chapitre 16, dans le verset 31, au verset 31, va présenter man comme le grain de coriandre. On a présenté la manne semblable à de la graine de coriandre. Yango, toujours qui 1 Corinthiens 15. C'est pourquoi on avait pris 1 Corinthiens 15. Tout en bas qui a parti à verset 36e. On avait lu à partir du verset 36. Et dans le verset 42e. Jusqu'au verset 42. On a besoin de comparer grain à corps. Et là-bas, on compare les grains au corps. Et ce qui nous sont. Et nous étions convaincus de comprendre que. De comprendre. Man, il parle aussi du corps. Que la manne parle aussi du corps. Mais tu remarques que man ouyo est diamanté dans un vase dans la arche. On avait remarqué que la manne qui était mise dans un vase et cachée dans l'arche. Là, on a mis toujours Exode 16. En lisant toujours Exode 16. On va lire verset 32, sinon verset 35. À partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Manouana et Polakité. Et cette manne n'avait pas pourri. Contrairement à la manne qui descendait chaque jour. Et contrairement à la manne qui descendait chaque jour. Les six premiers jours. Dans les six premiers jours. Mais le sixième jour, nous avons fait ça deux portions. Mais au sixième jour, le Seigneur donnait deux portions de manne. Pour la montagnance. Pour chaque maison en Israël. Pour la montagnance. Pour tout homme, pour chacun. Donc, il va y avoir ce qu'on dit manne le premier jour. Vous savez que si vous ramassez la manne au premier jour, et si tu la conserves, et que au commandement dans le deuxième jour, pour parvenir avec cette manne au deuxième jour, et cette manne va pourrir. Mais au sixième jour, bien-aimé, deux parts pour la montre. Le Seigneur donnait deux parts pour chacun. Par mon pangolia pour le sixième jour. Une part sera mangée le sixième jour. Mais par mon. Mais l'autre part, le sixième jour, qu'il a reçu cette manne le même sixième jour, et qu'on passait au feu, va passer au feu pour et traverser nuit et un septième jour, pour traverser la nuit du septième jour, pour y avoir un septième jour, enfin qu'elle soit mangée au même septième jour. Dieu a tout fait pour la vie. Ça veut dire la nuit, ce qu'on a dit. Pour t'écouter, pour t'espérer les dieux. Mais les communions se fait mélanger dans un bain. C'est que 2 Timothée 3, ils ont eu cette chose. C'est ce que nous dit 2 Timothée 3. Au verset 16. Au verset 16. Tout écriture est inspiré de Dieu et il pour enseigner. Et comme nous se fait mélanger dans un bain, peut nous tout y a été. Il faut comprendre. Tu dois comprendre. Il y a Romains 5, verset 14. Romains 5, le verset 14. Je dis la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Liwa et Koza Kobanda Adam a qui n'en a mosé. Comment la chute d'Adam? Depuis la chute d'Adam, qui parcourt Nios et Tamboliti Moïse Dan. Et dans tous les parcours jusqu'à Moïse comme temps prophétique. Parce que Moïse Dan a soutenu dans la croix. Parce que Moïse Dan s'arrête à la croix. La mort domine. Et lui, ça l'a qui Kokonzaka. Montant vaincu la mort, c'est Jésus-Christ à sa résurrection. Et celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus par sa résurrection. Et Romains 5, verset 14. Et Romains 5, 14. Il dit la mort a régné. Liwa et Kontaka. Donc la mort est économique. Donc Liwa et Zalaki Kontaka. Job va définir maintenant la mort. Maintenant Job est en train de définir c'est quoi la mort. Dans Job 10. Job au chapitre 10. On t'a dit à partir du verset 20e et dans le verset 22e. À partir du verset 20 jusqu'à 22. Dans la zone définie, il y a un mot. Lorsqu'il définit la mort, Azota il s'avouait que. Il est en train de montrer. Azota va avoir la compagnie de Jésus-Christ. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Job 10, verset 20 à 22. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre qu'ils me laissent? Qu'ils se retirent de moi? Et que je respire un peu avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans les pays. Namboka ya milili et de l'ombre de la mort. Pays ya milili ya loi. Pays d'obscurité profonde. Boka ya milili tout où règne
l'ombre de la mort. Et la confusion. Et où la lumière est semblable aux ténèbres. C'est comme ça que Job a défini la mort. Pays d'obscurité profonde. Pays de ténèbres. Or, dans Genèse chapitre 1er, il y avait l'obscurité. Le Seigneur a appelé ça au Congo. Le Seigneur les avait nommés. Abengango, nuit. Le Seigneur les a appelés la nuit. Dans la Bible. Dans la Bible, frère. Il y a nuit appelée mort. Ezali na butu o ebenga miliwa. Il y a aussi nuit appelée secret. Ezali na butu o ebenga kotali sa sekile loko ebombami. Nous y appelons mort. Boutou et la miloua. Et ça, il y a un bon désir pour empêcher mal et traverser nuit boétique à la. Bien. Et c'est ce qui empêchait la mal de traverser la nuit et de demeurer intact. Donc, la mal a zala qui n'a obstacle. Donc, la mal avait un obstacle. C'est la nuit. Et zala qui boutou. Hein. La nuit là, et zala qui s'assigne la mort qui régnait. Et cette nuit parlait de la mort qui régnait. Alors. Tout manne sur la roue sans katia six jours. Et toutes les mannes qu'on donnait dans les six jours, ils allaient écouter ça, les prophètes. Et cette manne-là représentait les prophètes. Maintenant, le sixième jour, au sixième jour, bien il y en a deux parts qui ça. Il y a deux parts que le Seigneur donne. Dans deux parts, et dans ces deux parts, mon sixième jour. L'une des parts sera mangée le sixième jour. Mais mon corps. Mais l'autre part va traverser boutou, va traverser la nuit sans pourrir ou subir la corruption. Parce que cette main va passer par le feu. Alors il va traverser boutou. Et cette main va traverser la nuit. Départ, oyo, le Seigneur a donné en Exode 16. Et les deux parts que le Seigneur leur donnait dans Exode 16 et Talisaka représente Omoni Jean-Baptiste. Vous voyez Jean-Baptiste. Mais Jésus. Et Jésus-Christ. Zappa batte zamba ni maki ko kifisa ko tia kuyana grossesse ya Christ na sixième mois. Ce n'est pas en vain que le Seigneur avait mis la grossesse du Christ au sixième mois. Et ça, sixième mois, il y a Zénia Jean. C'était le sixième mois de la grossesse d'Elisabeth pour Jean-Baptiste. Donc, dans le monde de Jean, lorsque tu vois Jean-Baptiste, ça représente tous les prophètes. Il représente aussi tous les prophètes. Parce que, Yéwanane, nous avons comparé à l'Ixet, les plus grands parmi ceux qui sont nés des femmes. Parce que c'est lui que le Seigneur avait comparé dans l'Ixet comme le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. A baissé place à Moïse. Le Seigneur lui avait donné la place de Moïse. Oui, dans Deutéronome 34. Et qui est dans Deutéronome 34. À ça, là, il est mon emploi. Pourquoi le Seigneur avait fait ainsi? A baissé l'Exode 29. Je vous donne l'Exode 29. Le verset 4. Au verset 4. Moïse les envers que ce qui est ordre à ce qu'on a Aaron pour le service. C'est à Moïse que le Seigneur avait donné l'ordre de laver Aaron pour le service. Et tant que tu es dans Matthieu 3. Et lorsque nous venons dans Matthieu 3, c'est Jean-Baptiste qui a donné l'ordre pour ce qu'on a Jésus à côté dans le service. C'était Jean-Baptiste qui avait l'ordre de laver Jésus pour le consacrer dans le service. Donc, Exode 29, verset 4. Exode 29, verset 4. Et ça, dans Matthieu 3. Ça conclut dans Matthieu 3. Place il y a Moïse. La place de Moïse, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui l'a remplacé. Place Yaron. La place Yaron, c'est Jésus qui l'a prise. Et en même Jean-Baptiste a compris qui est le quoi. C'est pourquoi Jean-Baptiste n'avait pas compris ça. Il s'était abstenu de le baptiser. Mais Jésus avait dit, laissons accomplir ce qui est juste. C'est alors qu'il l'a baptisé. Donc c'était Natalina. J'ai d'abord montré Manda. Lorsque la manne est donnée, pourriture, la corruption, les autres loi. Donc parler de la mort. Mais maintenant Zambé a baissé ordre. Maintenant le Seigneur a donné un nom. Et pas Moïse. À Moïse. On n'a pas prélevé un homme. Enfin qu'on puisse prélever un homme. Et qu'on puisse le mettre dans un vase pour enfin de le conserver. Exode
chapitre 16, verset 32 à 34. Je dis au nom de Jésus-Christ. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Verset 31 et Exode 16. Elle était blanche. Et avait le goût d'un gâteau au miel. Ce qui au médiambo et kokanaki betinani par un foutazo. Moïse dit, Moïse a dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Voyoka oko la pesi oko la moti. Voilà la verset 32. Qu'un homme rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Après vous avoir fait sortir les pieds et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne. Plein homère. Et dépose-le devant l'Éternel. Afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposant devant l'Éternel, à témoignage, afin qu'il fût conservé. Donc, man conservé. Man n'a pas eu ma bombe. Y a un débat sur la man cachée. Et c'est ce qu'on appelle la man cachée. Ou ma bombe. C'est qu'on a conservé. Y a un autre débat qui dit que nous n'avons pas une critique. C'est pourquoi on avait dit aux amis, on a dit combien à ta mon côté. Ou ma zoté à man révélée. Où l'on nous prêche que la man révélée. Latin. Cette écriture là n'existe pas. Dans Apocalypse 2, verset 17. Dans Apocalypse 2, verset 17. Bazon va celui qui vaincra. Cela veut dire à combien il a course. Donc il est arrivé à la fin de sa course. Alors on lui donnera la manne cachée. Cela veut dire que c'est manne cachée dans l'air dans la marche. On ne lui donne pas la manne cachée pendant le parcours. Non. Non, c'est pourquoi une autre personne est cachée. La manne était cachée. La manne, le comme une manne révélée. Alors aujourd'hui la manne est révélée. L'évangile éternel. Il s'en va mal à Miasseko. Aussi. Tu as menti le peuple. Aussi. Un menteur n'héritera pas le royaume des cieux. Notre va manquer le royaume. D'ailleurs, c'est sur lui que le Seigneur est plus en colère. Celui qui prêche mal. La Bible dit dans Jacques 3 qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup de gens qui prêchent. Et ça a été 4-4, c'est notre parole. Et Béné, pas au métier à côté à Dieu. Où était També? Jigéra. À Kosambi Sata. Sévère. Namatata Nyonso. Sévère. Namatata Nyonso. Les prédicateurs. Bâti. Donc d'abord, c'est senti qu'il n'y a pas de casa libre. Il peut se sentir libre quelque part. Il peut faire ses démonstrations. 318 soldats, Abraham a dit. 318 soldats pris par Abraham. Avec tout son courage. 3 plus 1. 4. 4 plus 8. 4 plus 12. 12. Fondement. Les fondements. Les seigneurs t'observent. Soyez en fausseté. Si c'est une fausseté, à quoi compte en enfer. Tu vas entrer en enfer avec cet enseignement. Aucune chose impure ou souillée n'entrera dans le royaume. Il y a aussi 318. Donc, ce côté a deux chiffres, tu mets un signe. Deux chiffres, tu mets un signe. 318. 3 plus 1. 3 plus 1. 4. 4. Tu mets la 4. Combien la 8. 4 plus 8. 4 plus 8. Spécial 12. Voilà, mais on se côté. Tu peux arrêter là. Au 12 fondements. Mon bon corps. T'es sur ce Christ. On rajoute encore plus. Un an d'église. Parce qu'il y a rien de deux chiffres. Tiens sur Christ. Mais encore plus à l'intérieur. Et comme à toi. Que ça fasse toi.
Donc pour lui, 10 on écrit quand même 1 et 0. Mais n'écoute comme l'enseignement. Si on enlève 0 dans 10, donc on a 10. Qu'on écrit 10. Maintenant qu'on enlève 0. Moins 0. Si on aura 10. On aura toujours 10. Mais évitez ceux qui nous ont fait ma cambo, car vous avez ma belle et tout. 10. 10. 10. On lui dit tout le monde. C'est un corps étrange, 0. Moins. 0. Égal combien? 10. 10. Mais. Oh. Yo, vous avez la 10. On le dit 0. On commet la 1. T'es. On le dit 9. C'est ce que vous ignorez. C'est ce que tu ignores. Olomoli 9. Tu as enlevé 9. Tu as réduit. Oui, Olomoli 9. Tu as soustrait 9. Tu vois, Olomoli 0. Olomoli 10 moins 9. Néozu. Tu as fait 10 moins 9 et tu as obtenu la différence de 1. Mes enseignements, pour les gens, à base écriture terre. Ma matière, à moi, les habités, à mon beaucoup, à l'économie. Et pourquoi tu dis ça? On verra beaucoup de gens dans le feu éternel s'ils ne se répandent pas. Il faut y voir la ville de Jérusalem. Tu dois savoir que la ville de Jérusalem, notre cité là-haut, vous allez vous balader sur Makolo, et Félonayango, tout et tout. Ils ont un fondement, il y a 12 noms des apôtres. Ah, le fondement repose sur le fondement de 12 noms des apôtres. Ma portaille, et ses portes, ils ont les 12 noms d'Israël. On porte les 12 noms des fils d'Israël. Dans Apocalypse 20. Va définir ma porte. Maintenant, on a défini ces portes. Toujours dans Apocalypse 21. Toujours dans Apocalypse 21. On est père. Le Kola Bamayata. Donc, c'est qu'ils sont nous, nous, quand on a 12 noms d'Israël. Si tu veux les chercher parmi les 12 noms d'Israël, ils utilisent la richesse qui est en elle. Salela, Babos, Yves, Alina, Katia, Babos, Yves, ce sont des perles. Oui, tes amis Bamayata. Porte-toi. Na, écoutez. Donc, ce sont des prophètes. Ils n'allaient pas s'accomplir. La richesse que le Seigneur était au milieu des prophètes. Dans la richesse, Dieu était au milieu des prophètes. Et le fondement, c'est l'enseignement des apôtres. Mais parmi beaucoup, ceux qui n'ont mis balayé, ça dit à moi. Donc, franchir Mireille à vie. Donc, toi, franchir la Mireille. Sauf aux autres, à contraire à l'apôtre. Si tu prêches contrairement aux apôtres, tu ne vas pas entrer dans la Jérusalem céleste. Amen. Amen. Tu n'es pas appelé à y entrer. C'est ça la parole du Seigneur. Il y a un bon délire au Bayangolo. Donc c'est que la catine est un mot. C'est-à-dire dans tout cela. Total ici d'abord que. On a d'abord montré. Man a révélé la tête pour les alabates. Man a établi sa mise à la tête dans les commis. Quand on dit man conservé. Lorsqu'on parle de la marque, on se cache. Et ça n'a l'engue que. Et ça n'a. Victoire sur la politique, sur la corruption. C'est dans le sens que cette manne a la victoire sur la corruption. Comme les grains, c'est un corps. Le corps a mouvement, les amis, tout. C'est la vérité, les amis, pour le bénin, un corps incorruptible. Ça l'a dit pour le bénin, tout le monde qui a dit sa matinée à Popola. Mais tous les gens qui sont en bas côté terre. C'est pourquoi on a pris lorsqu'ils sont entrés dans la terre. Tosui, Josué 5. On a pris Josué chapitre 5. Tout le monde est dans verset 10 à 11. On a vu au verset 10 et 11. La main, c'est ça. Mana et silata. Là, il y a les sacrifices. Et dans l'Israël, Christ est la fin de la loi. Et ça nous parle de Christ et la fin de la loi. C'est là en Romains 10, verset 4. On a dit ça, Romains 10, 4. Et la main, c'est ça. Et mana et silata. Bon, man ici. La main a cessé. Ils mangèrent les blés du pays. Cette année-là. Mais il y a un peu de blé, un peu de canana, un peu de blé. Donc, tant qu'il y a un blé. Donc, lorsqu'il mangeait le blé, physiquement, il y avait une manne présente. Mais ça n'a qu'à l'arche. Mais qui était conservée dans l'arche. Mais pas en haut, dans l'année, ils mangent le blé. Mais eux, au cours de l'année, ils mangeaient le blé du pays. La manne qui est dans l'arche, la manne est la promesse. C'est la manne de la promesse. Mais Bazoli a blé. Mais il mangeait le blé du pays. Il y a un mot de c'est pourquoi on avait montré ceci. L'année dans le pays. Mon goût n'a qu'à Tiamboka. Il y a une église à Zobi qui est là aujourd'hui. Et c'est cette année-là que l'église est en train de vivre. L'année de la grâce. Mon
nous mangeons les blés. Parce que le véritable blé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le monde qui est dans Jean 12, verset 20 à 24. On l'avait vu dans Jean 12, verset 20 à 24. Il s'est comparé à blé. Il s'est comparé au grain de blé. Il y a beaucoup d'enseignements à l'intérieur sur le blé. Mais c'est lui qui est le blé. Mais c'est dit seulement que c'est lui qui est le blé. Et Jésus-Christ, c'est la grâce. Mais Jésus-Christ, on est ngolo. Donc, tant que vous la grâce. Et lorsque nous mangeons la grâce, manne cachée là. Il y a la manne conservée dans la bouche. La manne à promesse. Et c'est la manne de la promesse. Il n'y a aucun verset où on avait promis de manger la manne cachée. Ils allaient servir un témoignage à Kabamona. Ils allaient dire qu'à Kabona, l'itatoli a pas na bakoya sima. On n'avait pas dit qu'on va manger cette manne. Cette manne n'est pas dans le compte de la consommation. Amen. Ils ont gardé victoire sur la corruption. Et cette manne garde la victoire sur la corruption. Corinthiens 5. C'est pourquoi nous disons que dans 2 Corinthiens 5, on l'avait lu. Nous venons encore par la grâce de Dieu. Nous les prenons encore par la grâce de Dieu. J'ai toujours dit que ces choses vous appartiennent. La parole du Seigneur. Vous devez les aimer, la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. L'édifice ouvrage de Dieu. Voyez l'édifice qui est l'ouvrage de Dieu. C'est ça la manne cachée. Il y a mon émane et mon mari. Donc les corps de gloire. Nous allons les porter si nous vaincrons. Que Dieu te bénisse. Amen. À part ça. À part cela. À part ça qui promesse la caillou blanc. Ça qui est la terre, il va t'amoquer la bébé. Et dans le caillou blanc, le Seigneur va mettre un nom. Et sur ces cailloux, le Seigneur a gravé un nom. Et que personne ne peut le connaître si ce n'est celui qui le reçoit. Oui, mon tout bon côté à Kokikoye, Bataka, oui, à Zulibanga. Nathalie, ce qui vient d'abord. Je vous avais d'abord montré. Caillou est une petite pierre. Caillou est une banga à mon quai. La pierre. Libanga. C'est le royaume. Les amis, vos comptes, mon Biba. Et aux oies qui. Alors, on avait pris. Daniel 2. Daniel chapitre. À partir du verset 43. À partir du verset 43 jusqu'au verset 45, on a bataillé ici la pierre qui s'est détachée sans laisser court d'aucun main. On a bataillé ici le baba Kolomba Nicolas, t'as le bon côté Simon. Il frappa qui statue. Oui, cette pierre là, c'est le royaume. Maintenant, on était allé montrer ceci même. Royaume. Le royaume. Mais à la royaume. Les alakabokondibea moi na mobali anzambe. Tobandaki na création. On avait commencé à la création. Le Seigneur a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Kolo akelaki ma kolo pe na sebenyon ses amis. A créé l'homme. Il a créé l'homme. A baissé pouvoir. Et le Seigneur lui a remis le pouvoir. Pouvoir voilà, c'est ça le royaume. Et ce pouvoir ou la domination, c'est ça le royaume. A baissé à mon fils. Le Seigneur l'a remis au fils. Ça c'est Adam. Oui, tu es Adam. Asa fils de Dieu. Asa la qui moi n'ai entendu. Quand il faisait l'homme à notre image. Tout ça l'a monté, mais l'île n'a pas. Le royaume était un fils. Et le royaume c'était au fils. Mais Adam par la désobéissance. Parce qu'Adam a dit la cause à la personne. Il avait perdu ses pouvoirs. Maintenant le Seigneur, parmi les lois après ça. Maintenant le Seigneur, parmi les lois qu'il a données. Adam il s'en a toujours que. Oya yambondise à la graine. Il a toujours montré qu'il agrège les prémices et les premiers-nés. Et c'est ce qui lui appartient. Pourquoi il avait dit ainsi? Parce que pour qu'il n'y ait pas un homme de la terre rédempteur sur son semblable. Donc, quand déjà Adam s'est coué, lorsque Adam est tombé, tout le monde s'en coulait. Et tout celui qui viendra après, à sa suite, il est la suite. Et le Seigneur ne les recevra pas.
Pourquoi Jésus avait dit dans Jean 3, verset 13? Personne n'est monté aussi. Le Seigneur n'avait reçu personne. Je vous avais donné Lévitique chapitre 1er. Dans le sacrifice de l'Holocauste. On lavait les jambes et les entrailles. Pourquoi ces signes? Entrailles dans la Bible est un sacrifice. Dans le livre de Philémon. Lorsqu'on parle au sujet de l'Onésime qui était les entrailles de Paul. Donc, donc celui qui est sorti, moi n'ai un bal. Donc, dans l'Holocauste, dans l'Holocauste, on prophétisait que vous allez un fils. On prophétisait qu'il y aura un fils, mais un fils que le souverain sacrificateur va accueillir. Parce que il doit laver les jambes de cet animal. Donc cela veut dire, et lui, Koloma, dans la suite des temps, il y aura un sacrifice parfait que le ciel va recevoir. Parce que la vache à qui est à la fin pour recevoir. C'est pourquoi un Pierre bien dit, si vous avez goûté que Jésus-Christ est bon. Ce qui vous méquille que Christ soit animal à tout verset premier. Au verset premier. Approchons-nous de lui. Ton pouce n'est pas éliminé. Yéhouazali, pierre vivante. Lui qui est la pierre vivante. Rejeté par les hommes. Mais choisi et précieux de l'homme. Vous voyez ce texte? Cela veut dire que Dieu a lavé les jambes de Jésus. Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est accepté. Le lavage des pieds, c'est accepter ou accueillir une personne. Mais n'arrête pas du Seigneur et ça ne manquera normalement comme ça, lavage à pied. Mais cela se fait physiquement aussi lors de la Sainte Cène. Donc, c'est Christ. Azali Christ, né Azali comme le Fils. C'est lui qui est comme le Fils. Le royaume est décédé. Et le royaume lui est donné. Dans votre temps qui, dans le livre de Colossiens chapitre 1er. C'est pourquoi on avait mis dans verset 13 à 14. Colossiens chapitre 1er, 13 à 14. Mais Simba d'abord. Mais saisis d'abord bien. Que tant toujours vers sur le caillou. Lorsqu'on parle sur le caillou, lui qui est Fils. Yéhou Azali moi. Yéhouana dans sa comme le plus petit. Et c'est lui, il est dans un rôle à manquer à Souka pour les gars. Le plus petit. Ou à Zali à Souka. À l'Obama, déjà dans Luc 7, tout en l'air qu'il a dit. Il l'avait dit dans Luc chapitre 7. Mais qu'est-ce qu'il faut aussi? Maintenant, qu'est-ce que tu dois retenir? Lui qui est le plus petit. Yéhouana et à Souka. Yéhouana et à ses royaumes. Et lui qui représente ses royaumes. Aza royaume moko. Inébranlable. La salive au conduit pour qui qu'on n'y gagne à tes poèmes. La robe on est marqué tant qu'on est dans ces cailloux. C'est pourquoi lorsqu'on parle sur ces cailloux, bien sûr, la pierre, le Nicolé à Libata, Batalisaka, Constance. Donc, Pécotique à la oui, mais non. Contagé sa force. Parler de la force de l'ambiance. Dans le texte, je prends le texte. Il y a Isaïe 50. Isaïe chapitre 50. Je dis au nom du Seigneur Jésus. J'avais entendu les gens qui comprennent Sika. Les autres ont mis le nom de leur prophète. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Nouveau nom. Mais le nouveau nom. Ils ont un certain américain. Ils ont dit mon demande quoi et américain. Si balongi. Ces noms-là, on les recevra après la bataille. Ils ont vaincu. Les années de folie. C'est déjà le col à diplôme. Les gens ne comprennent pas ce qu'on travaille. Tu travailles. C'est lui qui vaincra. La course, course ici. La course a pris fin. Aux autres, tu suis attentivement. Maintenant, on te donne un caillou blanc. Il n'est pas précieux, il parle là. Oh, ils en ont un nom nouveau. Il y a peu moins, ils en ont combo. C'est ça, ce n'est pas aujourd'hui en écoutant la parole. Tu combats, tu es dans déjà, aux en un nom nouveau, va bien, ils se disent, directement, tu es un nom nouveau qui est le nom de ton prophète.
ce que vous êtes destiné à faire, nous pouvoir nous connaître. Ce que t'as pas qui est dans la moto. Amen. Ésaïe 50. Ésaïe chapitre 50. Ah, on va prophétiser sur Jésus-Christ. Si on prophétise sur Jésus-Christ. Sur votre livre, verset 4. Le verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ma disciple, ils ont tous les prophètes. Ses disciples sont tous les prophètes. Alors Jésus-Christ, Jésus-Christ va écouter comme eux aussi écoutent. Nous disons ce que nous sommes. Nous rendons témoignage de ce que nous avons en paix. Il parlait par rapport aux. Au verset 4. Et nous, on a le livre de Jean 3. Et c'est nous de Jean 3. Les a, tous les prophètes. C'est tous les prophètes, y compris lui-même dans ce groupe-là. Par rapport au verset 4, il y a Ésaïe 50. Et par rapport au verset 4 d'Ésaïe 50. Maintenant, verset 7e, Ésaïe 50. Au verset 7. D'abord, on va dire verset 6. J'ai le nom de Jésus-Christ. Ah, 6 et 7, il y a Ésaïe 50. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Après ça, qui m'ont congolanda, il n'avait pas un copain tangan. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Il faut qu'on puisse savoir tout bas conseiller. Vous devez conseiller aux gens. Photo of man, les anatines de mon église. Il ne s'est pas utile de mettre la photo d'Hoffman dans ton église. Il y a terre, oh Jésus. Oh c'est Jésus. Les abominations. Les amis, même pas à mon aime. Ils appellent mensonge. Ils appellent au couta mon aime. Photo à les agissants. Et cette photo n'est pas le Christ. Les mensonge. C'est un gros mensonge. Christ. Christ. Jean Apocalypse. Jean d'Apocalypse a décrit. Il a décrit Christ. Si tu as besoin de faire photo si tu as besoin de faire cette photo dans sa photo, alors essaye de dessiner selon Jean. Saisis à rouge. Mis à la qui montagne. Et ses pieds semblables à des reins. On a déjà décrit Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Ce ne sont pas vos photos d'Hoffman. On a déjà décrit cet homme. Et le visage brillait comme le soleil. Et son visage brillait comme le soleil dans sa forme. Et puis ma partie, nous son visage. On t'a déjà parlé de toutes ces parties. Bah, nous sommes tirés par photo sur qui Jésus n'a pas voulu en ce sont des enfants du diable. Ah, ça n'est pas mais à Satan. Synagogue de Satan, c'est la fausse doctrine. Le sang est à Satan, les amis, il a qui s'y a ma paix. L'écriture continue. N'importe quoi, le baptême de la Bible, la foi vient de ce qu'on voit. On n'a jamais parlé contre mais il y a qu'un autre sur moi la mise. Parce que nous avons sauvé par, nous sommes sauvés par la grâce, mais au moins et la foi. Oui, tu te dis qu'un angolou n'a tiré à contima. Et la foi, peut contima. C'est ce qu'on voit. Ils allaient tous au monde. C'est qu'on entend. Ils allaient faire tous allaient courir au calamateur. Vous remplissez beaucoup de photos dans vos églises. Et ce sont des désordres des gens. Maintenant, t'as là le verset aux ignominies et aux crachats, verset 7. Le verset 7. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a sécuré. Ésaïe 5, verset 7. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Sachant que je ne serai point confondu. Donc, tant que
visage semblable à un caillou. Lorsqu'il parle du visage semblable au caillou, il parlait de sa dureté à posséder position telle. Il parlait de la dureté de ne pas céder à la position de la vérité. Que Dieu te bénisse. Amen. Azo cédé. Il ne cède pas à la condition. Aza ébranlé terre. Yaningana terre. Juste et juste. Il reste là constant. Et c'est textuellement aussi Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel 3, 29. Ézéchiel 3, 9. Visage n'a Ézéchiel aussi. Et l'Ongina est Pesalaki. Comme un diamant. Le cola banga un diamant. Plus dur que. Les rocs. À cause de la tégiversée. Il est à côté, pâté, pâté. Donc, c'est stable. Donc, c'est quelque chose qui est constant. La fermeté que le Seigneur a mis dans les prophètes. Donc, la constance que le Seigneur avait mis dans les prophètes. Cette fermeté, ça l'a dit en Christ et Jésus lui-même. Il y a un Jésus-Christ qui est le royaume. Et lui-même Jésus-Christ qui est le royaume. Il y a un royaume inébranlable. C'est celui-là les cailloux. Il est le plus petit dans le royaume. Parce qu'il s'était appelé le plus petit dans le royaume. C'est les fils. Les animaux en amont. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Philippiens 2, ici, nous sommes. Philippiens chapitre 2 nous dit ceci. À partir du verset 5 et du verset 10. À partir du verset 5 jusqu'au verset 10. J'ai dit en nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour que négocie ça par la grâce de Dieu, le dimanche, pour continuer. Achevé par la grâce de Dieu et continuer le dimanche. Et Philippiens chapitre 2, verset 5 à 10. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Donc Abini vainqueur. Il a paru vainqueur. Et Dieu bénisse. Amen. Après, il a continué à vainqueur, il faut avoir un nouveau nom. Après qu'il soit vainqueur, il doit recevoir un nouveau nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant écoute ce nom. Enfin qu'au nom de Jésus. Pour être dans le nom de Jésus. C'est ça nous voilà. Il y a pas de nom de Jésus. Donc à Tamboli, il a marché. À la fin. Lorsqu'il a venu. Maintenant Dieu lui donne un nom. Parce qu'il a appelé ce nom. Nouveau nom. Comme Jésus. C'est le même nom. Il est avec un nom de Jésus. C'est le même nom. Il est avec un nom de Jésus. Il lui a donné un nom. Appelé ce nom encore. J'ai lu avec tout ensemble. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. C'est ça. Le nom est vainqueur. Le nom est Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ton total par la grâce de Dieu dimanche. Maintenant, le dimanche de Dieu, nous allons voir. Le l'ennemi, il manque en manque à ouvrir portion. Comment est-ce que chacun de nous reçoit la portion? Parce que puisque nous sommes comme tout dit dans un rocher. Parce que nous tous nous provenons comme dans un rocher. Esaïe 51. Acatisère 51. Dominez-moi, ma banda miki miki miki. Nous sommes sortis comme des débris de cailloux. Ma banda miki miki.
Parce que vous qui poursuivez la justice, portez le regard sur le creux d'où vous avez été tiré. Mais la terre promise, c'est lui le grand rocher. Les amis, Baba, on a il est aussi caillou comme le fils. Il est peu caillou, Baba, moqué, le colon. Maintenant, accompagne sa moutonnion, son par l'héritage qu'a caillé. Mais il va donner à chacun de nous la part de l'héritage qui lui est propre. Et qu'on sera caillé. Ce ne sera que propre à la personne qui va l'héritage caillé ou qui n'est pas notre soutien. L'héritage qui lui est propre ne va pas être, ne sera pas transféré vers un autre. Là, comment on a un mot? Là, nous avons dimanche. Le dimanche. On a montré ce que c'est lui qui les reçoit. Vous montrez que quand les amis vous ont un mot, ça y est. Donc, c'est à lui propre. Donc, où il y a, mais il y a lui-même. Donc l'héritage de lui-même. Jamais vous n'aurez pas Issachar. Jamais cela n'ira chez Issachar. De la même manière dans ton héritage. Jamais vous n'aurez pas là. Ne pourrez venir vers moi. Ce n'est que celui qui les reçoit. Les amis d'Aba, où y a Zali Kosoyango? Même dans Moussala Zambé. Et même dans l'œuvre de Dieu. Zambé a ceux qui s'y copient. Le Seigneur n'a pas encore fini d'appeler les gens. Il va appeler par les serviteurs qui vont parler plus que nous dans l'œuvre. Selon Moussala Oyazanango. Et selon l'œuvre qu'il a préparée. Et comment il a matière 21. Il est écrit dans matière 21. C'est lui qui sort pour demander qu'est-ce que vous faites. Et à louer par mon achat. Alors qu'il les prend à location pour travailler dans la chambre. Quand vous faites entrer dans les champs, tu vas te disputer. Il y a un bambou, mais quand tu as mon question chiffré, comme ça, là, il y a des difficultés à la fin du mois. Il y aura des difficultés à la fin du mois. C'est lui qui est sorti. Il a regardé les gens. Il les a appelés pour travailler dans son champ. C'est lui. Yende. Ce qu'il faut comprendre. Et c'est lui qui est sur cela. C'est lui qui appelle. Yende appelle à bâton. Yende à soi. Et c'est lui qui prend les champs. Pour la charge, oui, à ça. Et pour la charge que lui-même a. Dieu bénisse. Ça ne vient pas vous. Et qu'elle a béni ses frères. Et qu'il accomplisse ce signe merveilleux. Et qu'il ouvre le chemin de la divinité. Parce que le Dieu que nous servons est vivant. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur les amène. Et que la paix du Seigneur soit ton partage.